cher public, ben merci d'être là, merci d'avoir affronté le froid et le verglas pour venir ici. L'école publique, normalement, je dis bien normalement, on travaille avec l'école en apprentissage. Cette fois-ci, on va plutôt les laisser faire. On a travaillé avec Philippe Dormois qui est là, qu'on peut applaudir. Cette semaine, c'était une semaine consacrée au répertoire. Donc là, tous les peintres sont allés au Louvre peindre des grands tableaux, des grands maîtres. Nous les clowns, on est tous très prétentieux et on se dit on est auteur, on est créateur, on est metteur en scène de son propre numéro. Et bien souvent, ce n'est pas si facile. Donc on a pris le parti pris de se dire, visionnons, et j'ai demandé aux apprentis clowns de visionner tout un tas des grands clowns qui ont fait l'histoire du clown, de regarder les numéros et d'en choisir trois. Et tout le travail de la semaine a été de se rentrer dans la peau de ces grands clowns, de ce grand clown qu'ils ont choisi, sept grands clowns, pour être au plus près de la partition de ce numéro. Comment, avec là où on est de son clown, être le plus possible dans le clown de l'autre, tout en respectant son propre clown. Il adore les balles. Ouais. Il a beaucoup de balles. Il est champion de France. De balles. Et du monde. De magie. De balles. Il adore les balles, il a très soif. Et les boules? Il est français. Ah ouais. Ouais. Il est beau. Et c'est l'homme. Et il s'appelle Yatis. Mesdames et messieurs, Jérôme Deschamps et Macha Batlaïev. Les deux chiens. Dimitri, attends. Alfred.
connu aussi sous le nom d'Albert Agenberg. Il y a deux gorges. Messieurs, dames, et des chiens.